Bonjour, eh bien voici après Jacques Poels et Ludo De Wit que vous avez été nombreux à apprécier, Mohamed Hassan qui est de retour en Belgique pour profiter de notre merveilleux climat et profitant qu'il est de passage rapidement, je voulais absolument l'interroger sur plusieurs guerres dont on parle de manière tout à fait séparée et qui, à mon avis, font partie d'un même ensemble. Et donc, on va parler aujourd'hui du Yémen, du Soudan, de l'Iran, de la Syrie, et peut-être encore un petit peu d'autres choses aussi. Je règle l'écran pour qu'on voit mieux Mohamed, parce que je vois qu'il est un peu trop dans le coin, voilà. Mohamed Hassan, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, je crois, deux fois ou trois peut-être dans Michel Midi. Il est l'auteur d'un livre, le vrai auteur d'un livre que Grégoire Lallieu et moi avons signé, La stratégie du chaos, dont on va parler. Il est aussi interviewé l'auteur de Jihad Made in USA avec mon jeune collègue Grégoire Lallieu. Et aujourd'hui, nous allons analyser le Moyen-Orient. Donc, voici une carte globale du Moyen-Orient et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu mettre en relation les pays dont on va parler aujourd'hui. On va parler du Yémen, il est là au milieu, tout en bas, en dessous de l'Arabie Saoudite, vous avez le Yémen. On va parler du Soudan, lui il est à gauche sur la carte, en bas également le Soudan. Vous avez la Syrie qui est plutôt au centre vers 10h du matin, on va dire, pour se référer à une horloge, et puis vous avez l'Iran en plein centre de notre écran de notre carte, et donc vous voyez que au fond, au centre de tout cet échiquier du Moyen-Orient, il y a l'Arabie Saoudite et Israël, c'est-à-dire au fond les grands alliés, les grands agents des États-Unis dans le Moyen-Orient, et donc on va poser la question si toutes ces guerres ont à voir justement avec ce trio États-Unis, Arabie Saoudite et Iran et Israël, excusez-moi, j'étais en train de régler mes cartes. Alors, on va commencer avec le Yémen, et là, vous avez une autre carte qui vous montre cette position très stratégique, tout en dessous de l'Arabie Saoudite. Je me tourne vers Mohamed Hassan. Mohamed, avant 2015, personne ne parlait du Yémen, beaucoup de gens n'auraient même pas su dire exactement où c'était sur la carte. Et maintenant, ce pays a l'air très important. Pourquoi? Very good. First of all, North Yemen, it have never been colonized. Le Yémen est un pays qui n'a jamais été colonisé. And Yemen is a very old country. Very old in a sense that it is, I don't think any European country can compete as history concerned as Yemen. Un pays avec une histoire très ancienne, aucun pays européen ne peut concurrencer cela. Second is Yemenis, whether they are from the south or the north, they played a very important role in trade with Asia and even brought Islam until China. Et qu'ils soient du nord ou du sud, ils ont joué un rôle très très important par leur commerce et ils ont même mis l'islam en relation avec la Chine. It's the only country in that part of the world who have a very huge
immigrants since the 10th century. Ils ont une immigration très importante depuis le 10e siècle. If you go to Indonesia, you will find a very big Yemeni community of for very long time who have been dominant in Indonesia. En Indonésie, par exemple, vous allez trouver une communauté qui est là depuis longtemps, qui est très importante et qui joue un rôle majeur dans ce pays. And the ideologue of Malaysia today is a Yemeni origin. Et l'idéologue de la Malaisie aujourd'hui est d'origine yéménite. So in that sense, Yemen is a very old country, a very old architect they have. C'est donc un vieux pays avec une architecture très ancienne et fameuse. Yeah, but they didn't, of course, establish a bourgeois state in a sense of what we know today. Mais ils n'ont pas réussi à installer un État bourgeois dans le sens d'État-nation comme nous l'entendons aujourd'hui, en tout cas en Europe. Second, it is strategically located, very important country. Deuxièmement, l'importance du Yémen, elle est stratégique. Donc je remets la carte. Et pourquoi stratégique? Strategy, in a sense, is very close to Bab el-Mandeb and a very big part of the Red Sea and also the other side, which is the Indian Ocean. Et donc, il est à l'entrée de la mer Rouge que vous voyez partir vers le haut de votre carte, le long de l'Érythrée, du Soudan, de l'Arabie Saoudite et de l'océan Indien. Et donc, c'est un carrefour très important. Yes, then it has a very big border with Saudi Arabia. La notion de carrefour, c'est pour ça que les États-Unis ont mis une base militaire là. United States wants to control the Bab el-Mandeb as a choke point. It is a very important which links Asia, the Red Sea and Europe. Les États-Unis veulent absolument contrôler ce détroit que vous voyez là tout petit sur la carte parce que c'est la connexion entre la Chine, le monde arabe et l'Europe. Oui. Second, of course, is the most populous, one of the most populous Arab country also. C'est aussi un des pays arabes les plus populaires. It is not a pastoralist society. These are farmers, very old people. C'est une société non pas de pasteurs mais d'agriculteurs. It is not like Saudi Arabia, where only Bedouins or as Oman or the other, but they are a highly civilized country. C'est pas comme l'Arabie Saoudite où il y a juste des Bédouins ou Oman, mais c'est un pays vraiment très civilisé. The other part of it also, it is because of a new wells, a lot of oil. Was discovered in Yemen. Et bien entendu, l'importance est aussi du fait qu'on vient de découvrir beaucoup de pétrole dans le Yémen. Therefore, it is the war against Yemen is came from two elements. Et donc, il y a deux causes à cette guerre. One is that it is the collapse of the Saudi hegemony in Yemen internal politics. C'est la fin de l'hégémonie saoudienne dans la politique yéménite. And the second is that it is United Arab Emirates being a very small country wants have a very big appetite wants to control the marine and the harbor of the region. Et puis il y a un autre pays qui est très petit mais qui a beaucoup d'appétit, ce sont les Émirats Arabes Unis qui veulent contrôler le pays, sa marine et la région. But they forgot that Yemen is a place where you can enter in a war but you will never win. Mais ils ont oublié, ces gens, que le Yémen, c'est un endroit où vous pouvez entrer, faire la guerre, mais vous ne pouvez pas en sortir et gagner. In the 60s, that the Egyptians tried to support under Nasser the Republican regime in Yemen. Dans les années 60, l'Égypte de Nasser a soutenu le Yémen. And one of his regretments, Nasser, before he died, he said that 13,000 Egyptian officers and soldiers were killed in the Yemeni civil war. Et donc, un peu avant la mort de Nasser, beaucoup d'officiers égyptiens ont été tués dans cette guerre civile au Yémen. Et il a regretté d'avoir envoyé des troupes là-bas. So entering in Yemen means he's looking for a trouble. Donc voilà, celui qui entre au Yémen, il aura des troubles. Bien, donc le but de l'Arabie Saoudite est de contrôler le Yémen, de contrôler ce pétrole et de maintenir son hégémonie sur la région. It didn't succeed because it's the Saudis, they have short memory of the history of Yemen. Ils ont échoué parce que les Saouds ont une mémoire très courte de l'histoire du Yémen. And they are in a gagmir now.
et maintenant ils sont piégés. And United Arab Emirates have already moved out. The main beneficiary of this war is that it is US imperialism by selling weapons and mercenaries who are bombarding Yemen. OK, les Émirats arabes unis se sont déjà retirés. Et en fait, le grand gagnant de cette guerre, ce sont les États-Unis qui vendent énormément d'armes. Therefore, it is you will never win in Yemen. Yemen is have a lot of time. OK, donc on ne gagne jamais au Yémen, très bien. On va passer à une autre carte, le Soudan, que vous voyez ici, pas très loin du Yémen finalement, et donnant sur la mer Rouge. Le Soudan, c'est aussi un pays, bon, beaucoup plus grand, dont on parle peu, dont on ne connaît pas très bien l'histoire. Qu'est-ce que le colonialisme a fait dans cette région et quelle est l'importance stratégique du Soudan? Soudan is the biggest African country. C'est le pays le plus grand, le plus étendu d'Afrique. And since it is independence, Sudan is entered into its internal war. Et le Soudan est depuis un bon moment dans une guerre interne, une guerre civile. Internally, one have to understand it is what it ruled the Sudan until recently and until today, I could say, what I call the Khartoum Triangle. Et donc, il faut voir maintenant qui, jusqu'il y a peu, dirigeait le Soudan, c'est ce que j'appelle le triangle de Khartoum. This neo-colonialist bourgeoisie, after independence, took over the state and they continued in alliance with imperialism to marginalize the bigger Sudan. Et donc, cette élite, après l'indépendance, a pris le contrôle de l'État, a collaboré avec l'impérialisme et a marginalisé, en fait, le peuple du Soudan. Oui. The country is very, very big, and the regions have been very much marginalized by the bourgeoisie or the neo-colonial bourgeoisie of Khartoum Triangle. C'est un très grand pays, mais l'élite, le triangle de Khartoum, a marginalisé les différentes nationalités de ce pays. The different regions which are producing the wealth of the country. The people and the regions became marginalized. Et en marginalisant les régions qui produisaient la richesse du pays. To make it short, finally, it is in the south, the SPLA, which is was fighting in the south under General Garang. Le SPLA qui se battait contre Khartoum dans le sud, sous la direction du général Garang. And there is a lot of other northern Sudanese opposition, including the Communist Party, had made an alliance against the Islamist regime of al-Bashir. Et donc, il y a eu une alliance de différentes forces, y compris du Parti communiste au Soudan, contre le régime islamiste de Béchir. General Garang, his main objective was to create the new Sudan. Le général Garang poursuivait l'objectif de créer un nouveau Soudan. He was not a secessionist, and his objective was not also the separation of the South. Son but n'était pas de séparer le Sud. In the last conference of SPLA, when he was leading, that those elements who wanted secession, they were purged from the party. Et donc, à la dernière conférence où il a été présent, les éléments qui voulaient faire sécession ont été jetés hors du parti. Finally, with the agreement of Nafasha. Nafasha is in Kenya, that resources sharing between the north and the south. The objective of General Garang is gradually to develop a new Sudan where everybody will be equal and to use the resources of Sudan for the Sudan people in general. Et finalement, aux accords qui ont été signés au Kenya, il y avait la volonté du général Garang de maîtriser les ressources pour développer un nouveau Soudan. But unfortunately, General Garang, he was killed and the South was seceded. Malheureusement, le général Garang a été tué, le Sud a fait sécession, et il y a eu des interventions et des ingérences de la France, d'Israël, des Saouds. Quelles sont les puissances qui sont venues Sudan was jouer là-dedans? For almost for 30 years by Islamist, al-Bashir. Le Soudan a été contrôlé depuis 40 ans par les islamistes. And the Islamists have looted that country and weakened that country's body.
Et donc, ils ont pillé ce pays. And finally, the popular revolt came and al-Bashir was overthrown. Alors, on a eu une révolte populaire, Béchir a été renversé. Now there is a new government and the new government is trying to negotiate with the different forces in Sudan. Le nouveau gouvernement tente de négocier avec les différentes forces politiques du Soudan. They have already made an agreement with the eastern region of Sudan. Ils ont fait un accord avec les régions de l'Est. And they have also made an agreement with the Nuba Mountains. Et aussi les habitants des montagnes Nova. And they are negotiating also probably with other regions. Sudan is a very big country. Et probablement ils négocient aussi avec d'autres régions, c'est un grand pays. And it needs to reorganize itself and change the nature of the old Sudan into a new Sudan. Et c'est un pays qui doit vraiment se réorganiser et se transformer en un nouveau pays. Est-ce que les Saouds ont une influence importante dans les événements qui ont eu lieu là? Until recently, the Saudis they didn't have so much influence. It's the Qataris who had a very big influence. Ils n'avaient pas tellement d'influence les Saouds, c'était plutôt les Qataris. And also the Erdogan of Turkey wanted to have a military base in Sudan. Et le Turc Erdogan voulait une base militaire là-bas. But it was just an illusion, and finally it collapsed. And now, of course, the Saudis and the United Arab Emirates had gave money to the new government in Sudan. Mais ça, c'était une illusion pour Erdogan, tandis que les Saoudis. Les Émirats ont versé des fonds au nouveau gouvernement. And of course, Sudan is an agricultural country, but even though destroyed by the Islamists, but Sudan could be a very vital and strong African country if it is managed properly. Même s'il a été pillé, le Soudan est un pays important qui pourrait jouer un rôle positif s'il était bien géré ses ressources. Est-ce que justement c'est un grand pays et des puissances coloniales françaises, anglaises de l'époque ou des puissances coloniales d'aujourd'hui, les États-Unis, ont intérêt à ce que ce pays soit faible et que le Soudan soit un État sans impact? First of all, it is given the situation now in the African continent. The French imperialism is concentrating more in its former colonies. Vu la situation maintenant en Afrique, la France se concentre plutôt sur ses anciennes colonies. Even though it have lost Central African Republic for Russia. Même qu'ils ont perdu la République centrafricaine pour la Russie. And of course, these European countries or imperialist European countries. They themselves are very small and their resources is very limited. I think their influences are declining in a very fastest rate in African continent. Mais ces pays impérialistes européens sont faibles, sont en déclin, ils ont peu de ressources eux-mêmes, et je pense que leur influence est en déclin dans l'ensemble de l'Afrique. There are other forces now in the continent. There is Russia, there is China, there is other forces who are playing important role. D'autres forces jouent maintenant un rôle important sur le continent africain, la Russie, la Chine. But of course, Sudan is a very important country which have a lot of border with a lot of African countries. I think in the coming future will play an important role, and the imperialists try maybe to have an influence in Khartoum, but I don't know how deep they will have it. Bien, mais donc le Soudan est un pays important, il pourrait avoir un rôle très positif dans l'avenir. Je ne sais pas ce que les impérialistes vont faire à Khartoum. Mohamed, il y a une question que je voulais poser. On a parlé des Saouds et des Émiratis pour le Yémen, on a parlé des Saouds et du Qatar pour le Soudan. Tout le monde sait qu'il y a eu un grand clash entre les Saouds et les Qatars. Comment expliquer ce clash et est-ce qu'il est important? First of all, it is the Qataris are playing beyond their capacity. It's only what they have is money. D'abord, les Qataris jouent au-delà de leur force. Tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Qatari is copying of the Kuwait politics of the 1990s. Ils sont en train de copier la politique que le Koweït menait dans les années 90. Because the Kuwaitis, they have learned from hard facts when they try to destabilize Iraq and then Iraqi Ba'athist attacked them and occupied Kuwait. Les Kuwaitis ont pris une leçon très sévère lorsqu'ils ont essayé
de déstabiliser l'Irak et de prendre le contrôle de la région. L'Irak les a occupés et ça a été un coup dur pour eux. Secondly, is that the Qataris have some psychological inferiority toward the House of Saud. Et puis les Qataris ont un complexe d'infériorité vis-à-vis des Saouds. Because that the Qatari family, ruling family and their clan, they used to live in the northern Saudi Arabia. Parce qu'en fait, la famille royale Qatari vivait en Arabie Saoudite. And before the formation of that country. And they had been a protégé of the Ottoman. Ils étaient des protégés des Ottomans avant que l'Arabie Saoudite soit formée comme un pays. And once they were defeated, they were chased away from now Saudi Arabia and they came to Qatar. Après leur défaite, ils ont été chassés d'Arabie Saoudite et se sont réfugiés au Qatar. So the relationship between Qatar and Turkey is a historical one. Alors on a une relation très importante entre la Turquie avec le régime ottoman et maintenant, et le Qatar, c'est Qatar-Turquie, c'est un lien important. The second point is Qatar is the center of the Muslim Brotherhood. Le Qatar est le centre, le quartier général des frères musulmans. And as you see, that it is Al Jazeera was established by the Muslim Brotherhood. Al Jazeera a été établi par eux là-bas. And their purpose is that to use Muslim Brotherhood and overthrow any secular revolutionary or democratic state in the Arab world and the Muslim world. Et donc les frères musulmans avaient comme projet de renverser tous les gouvernements démocrates et nationaux dans le Moyen-Orient. That's why they have also an alliance with AKP Erdogan and are spending money and of course they used that money in mercenaries in Syria. Et c'est dans ce but qu'ils ont, les frères musulmans, des liens importants avec l'Égypte et utilisent cet argent. They are only destabilizing fort, but they are not factor of. They have no strategy and they Ils sont un facteur de déstabilisation, that's all. Mais n'ont pas de stratégie. Yeah. Les frères musulmans, c'est quelque chose qui a été analysé dans le livre Jihad Made in USA dont je parlais pour ceux qui veulent creuser et je les encourage. Aujourd'hui, maintenant, la contradiction Saoud-Qatar, ça montre quoi? The Saud is the dominant country in the Gulf states. Les Saouds sont le pays dominant. Saudi Arabia, by dominating the Gulf states, is the biggest, the most important country, controls almost about 70% or 65% of the world oil. Et en contrôlant la région, l'Arabie Saoudite contrôle 70% du pétrole mondial. Saudi Arabia is a very important country. It is not a small tiger like Qatar or Kuwait or what name it or Belgium or it is a very important C'est country. Un pays important, c'est pas un petit tigre comme le Qatar ou la Belgique, c'est un pays fondamental. And it is a very important country for US imperialism. Without Saudi Arabia, the dollar could have collapsed a long time ago. Et c'est un pays très important pour les États-Unis parce que sans les Saouds, sans l'Arabie Saoudite, le dollar se serait déjà effondré depuis longtemps. United States will only intervene as if that oil comes in danger. Et donc les États-Unis n'interviendront que si ce pétrole est en danger pour eux. As long as that oil pipeline and what they call the Arab oil is not in danger, United States will not intervene. Tant que le pipeline arabe n'a pas de problème, les États-Unis n'interviendront pas. Second, Saudi Arabia is the Rome of the Islamic world. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est la Rome, c'est la capitale spirituelle du monde musulman. And that is, means that it is they have a very big ideological hegemony in the world. Donc ils ont une très grande hégémonie idéologique dans ce monde musulman. Therefore, it is one have to be very careful when he's dealing with Saudi Arabia. Et donc on doit faire très attention quand on traite avec eux. But of course, they have lost the war in Yemen, and those who benefited from that, it is U.S. imperialism and British imperialism who are selling the weapon. Et donc, ils ont perdu la guerre au Yémen. Donc ça, il faut tenir compte de leur affaiblissement. Seuls les États-Unis et les Britanniques en ont profité en vendant des armes. Bien, on va venir sur notre carte à un troisième pays. Je vous remontre la carte. On a vu le Yémen, on a vu le Soudan, et là maintenant. Passons à l'Iran, dont on a beaucoup parlé aussi dans l'Iran tout à fait au centre de la carte. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, on en parle tout le temps. Les gens se demandent si on risque une guerre.
La politique des États-Unis pose beaucoup de questions. On voit Trump qui a un ministre un peu modéré, si on peut, si ça a du sens aux États-Unis, et le remplacer par Bolton, qui est un des pires faucons va-t-en guerre de Bush. Et puis Bolton est viré. Comment expliquer tout ça? First of all, Iran is not Kuwait, Iran is not Iraq, Iran is not Syria. D'abord, l'Iran, ce n'est pas le Koweït, l'Irak ou la Syrie. Iran is a very old country. C'est un très ancien pays. There is no states when Iranian civilization have developed in Europe. The Europeans, they were living in a cages. Quand les Européens vivaient encore dans des cages ou de façon primitive, l'Iran avait déjà toute une It is a civilisation. highly civilized country and it is historically very deep country. Un pays très civilisé et avec une grande profondeur que lui a donné son histoire. United States made a strategical mistake in the 70s. Dans les années 70, Washington a fait une erreur stratégique importante. And it have harvested because of that strategical mistake, this crisis. Et donc, ils ont récolté la crise actuelle à cause de cette erreur. Within the American establishment, there are three lines. Dans l'élite, l'establishment des États-Unis, vous avez trois tendances, trois lignes politiques. There are those who are ruralists, who believe in cowboy mentality. These are a minority now, and they are Boltons and element of Boltons. Il y a ceux qui, donc première ligne, il y a ceux qui pratiquent la ligne cowboy et Bolton notamment, et ces gens sont en minorité actuellement dans l'élite des États-Unis. Because this element, they only see that it is the weapon they have, and they think that they can bombard everybody and so on, but they have never learned from the lesson and the mistake neoconservative did to United States. Ces éléments-là, ils ne voient que les armes qu'ils possèdent, ils pensent qu'ils peuvent bombarder tout ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils n'ont rien compris à l'histoire, ils n'ont rien appris. The second line is that it is the line of Trump. La deuxième ligne, c'est celle de Trump. He's thinking and his group is thinking that it is disengagement without going to war, you have to win what you lost. Et ce groupe-là, il pense que, si j'ai bien compris, on ne peut pas faire la guerre à un pays comme l'Iran Not only Iran, it is United States have been weakened by pardon. the previous Voilà, wars. donc les États-Unis ont été affaiblis par les guerres qu'ils ont menées, Irak, Afghanistan, etc. So why do you go to war? Try to put pressure, use your soft power, diplomacy, and so on. Et donc Trump ne veut pas employer la guerre, il veut employer d'autres méthodes, ce qu'on appelle le soft power, ce qu'on appelle aussi la diplomatie. And you could see that in the Korean issue, you could see that it's in a lot of issues. Et on a vu la même méthode Trump dans le dossier de la Corée du Nord, par exemple. Of course, also he marginalized the State Department to a certain extent because it is the war mongers. Their concentration was one is the State Department, lately also in the Pentagon. Et donc, Trump a marginalisé ceux qui étaient des va-t-en-guerre et qui étaient concentrés dans le département d'État, maybe in the CIA also. Yes. Oui. This is a segment of American bourgeoisie who doesn't want to go to war, wants to strengthen themselves slowly and Et donc, supporting Trump. voilà une partie de la bourgeoisie des États-Unis qui ne veut pas aller à la guerre, qui veut se renforcer constamment et qui pour ça soutient Trump. And of course, the campaign against him, Trump, the media. Particularly the media connected to, for the media and the media bourgeoisie, is for them, life is a show. Et donc voilà, on doit expliquer le show médiatique par justement une campagne contre Trump et cette tendance-là. But it is not their sons and daughters who are going to fight if they go to Iran. Mais justement, ces grands bourgeois des États-Unis ne vont pas aller envoyer leurs fils comme soldats se battre en Iran. Et la troisième tendance, The third tendency is that the tendency now is trying to impeach Trump. c'est celle qui veut provoquer l'impeachment, donc la destitution de Trump. Which I call the minority in the deep state. C'est ce qui est, selon moi, la minorité
in the deep state. Dans l'état profond, donc dans l'élite. We will see whether they will succeed or not, but I don't think the United States wants to go into an adventure of war against Iran. Et donc, on verra qui va l'emporter, mais je ne pense pas que les États-Unis vont se lancer dans une guerre contre l'Iran. Où faut-il situer Obama et Hillary Clinton dans ces tendances? These are a bunch of crazy people. Obama is the worst president the United States ever had. Ce sont vraiment des bons à rien. Obama est le plus mauvais président que les États-Unis ont eu. Obama is not because he's black. He did marginalize the African continent. He is the one who killed. Il a beau être noir, c'est lui qui a marginalisé l'Afrique, qui a tué Kadhafi. Muammar Gaddafi in Libya and so on. He's voilà. The worst president ever United States had as far as Africa concerned. En ce qui concerne l'Afrique, c'est le plus mauvais président que les États-Unis ont eu. And this, and then the neoconservative, the blunder they did in Iraq and in the region. Et puis alors les néocons ont fait beaucoup de bêtises en Irak et dans la région. Bien, on a donc une division de l'élite des États-Unis, une bonne chose peut-être, et en Europe, il y a aussi une division. Quelle est l'attitude de l'Europe envers tout ça? Europe doesn't exist, just as a bunch of, l'Europe n'existe pas, c'est une plaisanterie. Of small pigeons. I have no respect for, I have respect for European people, but I don't think Europe doesn't exist. Europe is a German Sorry, creation. J'ai du respect pour les peuples européens, mais pas pour leurs dirigeants. This is a German creation, and the Germans, I don't think that the Germans are eating today from the dishes of China. L'Europe, l'Union européenne, c'est une création des Allemands, et maintenant les Allemands, ils mangent les miettes de la Chine. There is no democracy in Europe. Je voudrais revenir sur le point de la guerre. On voit des réactions des puissances européennes par rapport aux États-Unis. On critique Trump. Mais ils veulent quoi, les dirigeants européens? Ils veulent qu'on fasse la guerre? Ils veulent quoi? These are cowards. They want Americans, son and daughter of the ordinary people, to go and fight for them. Les dirigeants européens sont des lâches. Ils veulent en fait que les enfants des citoyens des États-Unis aillent faire la guerre et mourir pour eux. Well, if they are men, let them go on the ground there and fight Iran. We will see. Et si vraiment c'est ça qu'ils veulent, ben qu'ils aillent se lancer dans la guerre contre l'Iran et on verra bien. These are just behind the United States. They want the United States to sacrifice our sons and daughters. Et donc voilà, les dirigeants européens veulent que les États-Unis sacrifient leurs enfants pour eux. They are a parasite imperialist country, dishonest. Ils sont malhonnêtes en tant que pays impérialiste. Voilà, qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. On en vient au quatrième pays, la Syrie. Je remets un instant la carte. Vous voyez la Syrie au nord d'Israël, à l'ouest de l'Irak et en dessous de la Turquie, ce qui explique peut-être beaucoup de ces problèmes. Alors, la Syrie, maintenant, Mohamed, à la lumière de tout ce qui vient, de tout ce qu'on vient de voir et de cette complexité de la région avec beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, des stratégies de beaucoup de puissance, quand on réfléchit à la guerre qui a eu lieu en Syrie à partir de 2011, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Well, Syria was an expert, an experiment, which is created by the imperialists. I consider a Syrian war. I don't know if you remember there was a film Hollywood made in 1966. Oui, j'ai vu ce film. La Syrie a été mise en place par, été constituée par les impérialistes. Et je ne sais pas si vous avez vu un film de Hollywood qui s'appelait Syriana avec George Clooney. Hein? The film is called It is the Good, the Bad and the Ugly. Un autre film alors, Le Bon, la Brute et le Truand. The bad one it is Fernando Sanchez, who is from a Spanish-speaking fat man with a big hat. Le méchant c'est un Espagnol gros qui parle mal. And that is that considered in Syrian context is that the Alawi ruling class. Et ça, on nous a raconté que c'était la, on a dit que c'était la classe alawite dirigeante en Syrie. The good one is the jihadist Sunnis who are victim ones. Les bons, ce sont les djihadistes sunnites qui sont présentés comme des victimes. And the ugly is that Hezbollah and Iran. Et le méchant, c'est l'Iran et le Hezbollah. In this context, when you see the war, it was an experiment. Et donc, quand vous voyez cette guerre, ça a été en fait une expérience, une expérimentation. And for six objectives. Pour six objectifs, bien. On va regarder ça one, à son aise, premièrement. Yeah, one is to
control the pipeline of the oil. La première question, c'est le contrôle des pipelines du pétrole. And weaken Russia and Iran. Dans le but d'affaiblir la Russie et l'Iran, qui sont aussi des producteurs de pétrole. The second is that the interest of Turkey. Le deuxième facteur expliquant ces dires, c'est l'intérêt de la Turquie. The destruction of Syria will bring Turkey stronger in the region. L'idée en détruisant la Syrie était de renforcer le rôle de la Turquie comme puissance régionale dominant. Economically and politically. Dominant économiquement et politiquement. Textile industry, shoes industry, and others that Turkey is the 16th industrialized country in the world. Today. Industrie textile, chaussures, c'est un pays industriel important, la Turquie. Ideologically, also Turkey will benefit because hoping that the Muslim Brotherhood of Syria will take over the power because majority considered the Sunnis. Et donc idéologiquement, c'était aussi l'objectif de la Turquie d'avoir les frères musulmans au pouvoir en Syrie et donc d'augmenter l'impact de la Turquie. The fourth one is that it is Iran and Saudi Arabia's interest. Le quatrième facteur de cette guerre, c'était les intérêts de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. That once the Syrian regime collapses and Sunni regimes come in Syria, that is automatically Hezbollah will be defeated and Iran will be quarantined. L'idée, c'était que si le pouvoir était détruit en Syrie et qu'on avait un pouvoir sunnite des frères musulmans, l'Iran aurait directement été isolé et mis en quarantaine. And gradually is that it is to weaken the Sunni, the Shia regime in Iraq, a rollback. Et l'idée aussi était de affaiblir le régime chiite en Irak. And to bring the war on the gate of Iran. Et d'amener la guerre aux portes de l'Iran. The fifth is weakening Russia and chasing away Russia from the Mediterranean. Le cinquième objectif était d'affaiblir la Russie et de la chasser du Moyen-Orient. The sixth very important one is an experiment, as I have said, that it is an experiment for all jihadist movement to have better than any school of military school to have an experience to fight. Et le sixième et dernier, objectif était de faire une expérimentation, c'est-à-dire de former une force militaire djihadiste, parce qu'une guerre réelle est la meilleure des formations. And from this, about 8,000 of them, they are combatants from China. Et donc, parmi ces djihadistes, il faut savoir qu'il y en a 8,000 qui sont originaires de Chine, les Ouïghours, et qui se préparent à combattre contre la Chine. Which is control against China, and China was frightened and following the case very, very closely. Et donc effectivement, la Chine était très inquiète et a suivi le dossier de très près. They were preparing the war against China in this way. Et donc les puissances impériales préparaient de cette manière une guerre contre la Chine. So in all, they never succeeded. It failed. All this project collapsed. Donc tous ces projets ont échoué, aussi bien les projets envers le Yémen, la Syrie, l'Iran, la Chine maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on est à un tournant de l'histoire et que les impérialistes des États-Unis, qui appuyés par l'Europe avec beaucoup d'alliés, pouvaient vraiment faire la loi dans le monde comme un cow-boy? Ça veut dire que c'est terminé? Not yet, because it is imperialism, it has to be overthrown, it doesn't disappear like ice cream. But non, is... pas encore, parce que cet impérialisme, il faut le renverser, il ne va pas disparaître comme une crème glacée qu'il faut. These people, the imperialist forces, they are well experienced and well versed in division and well versed in waiting time also sometimes in their side. Attention que les puissances impérialistes sont une grande expérience. Ils savent comment diviser pour régner, comment affaiblir, et parfois le temps peut jouer en leur faveur. To give you an example, Jack Straw, which had been a foreign affairs man of Great Britain, published a very famous book now on Iran. Pour vous donner un exemple, Jack Straw, qui avait été le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne sous Tony Blair, hein, sous Tony Blair, il vient de publier maintenant un livre à propos de la guerre contre l'Iran. No, he's saying no. He's saying we don't have to go to war with Iran. We have to accommodate Iran. Voilà, il dit qu'il ne faut pas faire la guerre à l'Iran et qu'il faut s'arranger avec lui. And it's a very good book. I would really suggest that people have to read that. Le livre est excellent et je suggère, dit Mohamed, que quelqu'un le lise.
Et ça, ben, j'en profite. Nous, on est un peu débordés de travail. Donc, si quelqu'un veut bien lire ce livre en anglais, nous faire un petit rapport pour voir si ce serait intéressant d'en parler dans Investi Action ou de Who le are the lo republier. Who are the losers in Syrian affair? I think it is poor France. Et donc, les perdants de la crise syrienne, ben, c'est la pauvre France, dit Mohamed. Because it had an influence, very long time influence, and squandered it. Il avait de l'influence et il l'a complètement gâché. My understanding of French imperialism is a very, very shallow jingoist imperialist thinking, including their intelligentsia. Mon jugement sur l'impérialisme français est que c'est vraiment assez minable, y compris leurs services secrets. And personally, I don't like them. They are just frogs. Pour moi, je ne les aime pas, c'est juste des grenouilles. And they are not far-sighted imperialist force. Ils n'ont pas un impact important comme force impérialiste. I was discussing with some American musicians in Africa. En Afrique, j'ai discuté avec un musicien originaire des États-Unis. And what surprised me is that it is the name they used to give to the French. Et voilà, j'étais étonné par ce nom qu'il donnait aux Anglais. Oui, ça, je l'avais déjà entendu aussi, sans aller en Afrique. Now, Mais bon, ça peut oh, être un peu raciste that, aussi de la part des États-Unis. no. It is it have some historical thing. You know, a frog in the water, because it makes a lot of noise, she thinks that she owns the water. Ok, Mohamed dit non, non, c'est quand même une comparaison qui a du sens. La grenouille, parce qu'elle fait beaucoup de bruit dans l'eau, elle pense qu'elle est très importante. Ok. Qu'est-ce qu'on peut. On s'approche tout doucement de la conclusion. Je vais regarder si nous avons des questions qui ont été posées, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, qui ne sont pas le pouvoir, qui ne sont pas des grenouilles, qui essayent simplement de comprendre où va le monde et d'empêcher la guerre? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? I think war, in most of the time, it is made by the strongest imperialist country. La guerre est toujours lancée par les puissances impérialistes les plus fortes. As we know that it is First World War, inter-imperialist war, when we see. Et donc, on a vu des guerres interimpérialistes. One is rising and two declining. Et entre les puissances impérialistes, c'est toujours quand il y en a une qui monte et une qui descend. That is the calculation of an history, which, as Lenin says, that it is human beings, they don't live 500 years. Et donc voilà, c'est comme ça que les guerres éclatent. Et Lénine disait, les êtres humains ne vivent pas 300 ou 400 ans. That it is, we have to analyze the history of humanity on the basis of a decay. Et donc voilà, nous devons étudier l'histoire sur des bases factuelles solides. And of course, when we see the global situation today, is that it is, yes, Western hegemony led by United States is declining, even though it have a lot of money in its hand. Et voilà donc, quand nous regardons la situation mondiale actuellement, c'est le déclin de l'hégémonie impériale occidentale, même s'ils ont beaucoup d'argent. Secondly, of course, United States is a very big country and it is highly industrialized and it is the biggest agricultural producing country in the world. Donc les États-Unis sont une grande puissance industrielle, c'est aussi le plus gros producteur agricole mondial. So the more the world situation change, United States will not be the vanguard of the whole West. The United States will try to protect her own interests unilaterally. Et donc plus le monde change, plus les États-Unis ne vont pas être l'avant-garde du monde occidental, ils vont juste chercher à protéger leurs intérêts propres. I don't think that it is United States will think a minute for the interest of the small country Belgium, will think of its her own interest. Les États-Unis ne vont jamais penser à l'intérêt de petits pays comme la Belgique, ils ne penseront qu'à leurs propres intérêts. I think United States, when we see with Trump that it is engagement in Korea, Quand on voit Trump en Corée, it is also his trade conflict with China. et son conflit commercial avec la Chine, It is only to win more for American interests and American firms in the market of China. c'est juste pour gagner davantage sur les marchés chinois pour les fermiers des États-Unis. Alors une petite remarque, bon, je ne trouve pas que Trump soit un homme charmant. Mais il y a une chose qu'on voit, c'est que Bush avait lancé le monde dans deux guerres.
Obama et Hillary Clinton aussi dans deux guerres, et pour l'instant, Trump n'a pas encore lancé une guerre. Donc, est-ce qu'il y a une indication intéressante là-dedans? It is the competitors, they are too strong. They cannot do it militarily. That it is in the beginning when they were waging the war, that it is their assumption is that Russia was in a serious problem, that it is Et donc, Yeltsin. pardon, c'est tout simplement que leurs compétiteurs, leurs rivaux, les autres grandes puissances sont tellement forts qu'ils ne peuvent plus gagner par une guerre. Au début, ils ont cru parce qu'ils croyaient que la Russie, pardon, était engagée dans de gros problèmes. But the situation today, Russia is not in that situation, it's totally different. Qualitatively have changed. Mais la situation a beaucoup changé, la Russie n'est plus du tout dans le même état. You could see itself that the relationship between Turkey and Russia is upgrading every time, that Turkey is buying weapons from Russia. Vous voyez que les relations entre la Turquie et la Russie ne cessent de s'améliorer. La Turquie achète des armes à Moscou. C'est un problème, ça, pour le monopole militaire des armes des États-Unis. Ils ont des problèmes au niveau de leurs armes aussi, non? No, it's not only that. United States also gradually is going into unilateral stand. That United States is seeing that it is there is a united front, strong united front against her. Les États-Unis constatent qu'il y a un grand front qui se dresse contre eux. And if you see that the recent press statement in Tehran between China and Russia in Tehran. That it is more, they are becoming closer and closer. Et So there is no military solution for quand vous that. voyez le récent communiqué de presse commun à Téhéran entre la Chine, la Russie et l'Iran, vous voyez bien ils sont trop forts, il n'y a pas de solution militaire à ce problème. And the other contradiction is that, the economic contradiction you see. Et l'autre contradiction, c'est la contradiction économique que When chacun you voit tous les jours. analyze German economy, which is now it's already in depression, but when you analyze, that is Germany, which is making a benefit, a strong economic benefit by having economic relation with China. Et donc, quand vous voyez maintenant la situation de l'Allemagne qui est au bord de la dépression économique, ils s'en sortent par leur relation avec la Chine. As the Russian said, it is tell me who is feeding you and I tell you what you are. Les Russes me disent, dites-moi qui vous nourrit et je vous dirai qui vous êtes. Bien, Mohamed, je crois que c'était absolument passionnant. On a eu beaucoup de remarques et de commentaires. On continuera à répondre aux questions dès que possible après la fin de l'émission, mais on va laisser chacun aller manger. Je voudrais vous dire que ceux qui veulent approfondir ça, et vraiment je l'encourage, eh bien, il y a la stratégie du chaos qui explique justement quelles sont les classes sociales dans ces différents pays. Alors j'ai préparé la table des matières comme ça. Ici, vous avez la couverture en vrai sans que je la fasse gigoter. Ici, vous avez la table des matières. Bon, elle est écrite un peu pâle, j'espère que vous arrivez à bien la lire. Mais donc, on a des chapitres avec l'histoire et les relations entre classes sociales et les coloniaux dans l'Égypte, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, la Libye, aussi le Yémen, Oman, la Somalie, le Soudan sont dans ce livre qui a déjà été édité il y a un certain temps, mais qui est fort apprécié de beaucoup de lecteurs parce que justement il donne les clés pour comprendre l'histoire et la géographie. Un autre livre dans lequel Mohamed Hassan a coopéré et qui peut vous éclairer sur qu'est-ce qui se passe au sein des États-Unis et cette division dans l'élite qui a été marquée par l'élection de Trump. Ben, c'est Le Monde selon Trump, dans lequel Mohamed Hassan est un des spécialistes que nous avons interviewé avec Grégoire Lallieu. Je rappelle Jihad Made in USA que Mohamed Hassan a fait réaliser avec Grégoire Lallieu. Et donc, je crois qu'il faut vraiment encourager la lecture pour comprendre, pour ne pas se laisser abuser par le train-train et les nouvelles qui circulent rapidement et qui n'ont pas de sens parce qu'elles n'ont pas de profondeur. Et donc, je crois que vraiment, il faut faire l'effort d'étudier là-dessus. Je vais donc vous fournir le lien du site Investigation. Vous allez sur la rubrique des livres et là, vous pouvez commander ce dont on a parlé là récemment, en sachant que les livres sont également une manière pour nous de financer avec vos dons les salaires des jeunes journalistes. On veut absolument développer, sauver et développer Investigation. Bientôt, on va vous parler de ça d'ailleurs, quelles sont les conditions pour
sauver, renforcer, développer encore Investi Action. Vous êtes nombreux à nous écrire qu'il faudrait ceci, cela, on a des projets, mais on doit être plus nombreux et donc on va faire appel à vous dans quelques jours. Voilà, je vous remercie et je remercie Mohamed pour cette intervention absolument passionnante. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous pour un autre Michel Midi mardi prochain à 12h. À bientôt.